a l'impression que c'est vraiment que les hommes qui sont meilleurs. Donc quand on arrive en tête dans une course où on est pratiquement la seule femme, c'est encore mieux de battre les hommes. C'est un petit peu dur de se faire une place, donc ça nous prend du temps, mais on va y arriver. Je pense que les trotteuses valent les trotteurs. Par rapport à un autre métier, c'est sûr qu'on n'a pas nos week-ends, on n'a pas des vacances à tout bout de champ. Il y a des choses qu'on peut pas faire, mais c'est avant tout une passion et on ne prend pas ça comme un sacrifice. C'est un métier très prenant dans tous les sens, vraiment très prenant parce que ça demande beaucoup de travail. C'est sûr, je suis passée à côté d'une jeunesse normale. À côté de ça, très prenant quand on y a une victoire au bout du compte. Ça m'a permis de faire des choses que j'aurais pas pu faire. Je pense qu'on se rend moins compte de la vitesse dans l'eau que sur un cheval. Mais la vitesse, c'est pas l'important. L'important, c'est de passer le poteau en tête. Moi, j'avais la tactique de partir à fond et de tuer la course un petit peu. Après, chaque nageur est différent et chaque course aussi. C'est aussi agréable d'avoir des chevaux où il faut rester un petit peu derrière les autres et puis venir finir vite. Donc, je pense que c'est agréable d'avoir des chevaux avec des tactiques différentes. Aux 50 nageurs, il n'y a pas de tactique, c'est vraiment aller le plus vite possible. C'est génial de passer le poteau en tête. Il y a vraiment une demi-seconde où c'est de la joie et on pense à beaucoup de choses, à tous les entraînements qu'on a fait. C'est l'aboutissement d'un travail accompli à l'amont, à l'entraînement. Au moment où on se retourne et on voit première place, c'est vraiment hors norme. Et le fait de savoir qu'on est le meilleur, c'est une sensation qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est vraiment des sensations uniques. C'est aujourd'hui ce que je recherche en dehors de la natation. Elle est vraiment mondialement connue. Pour moi, ça ne représentait pas grand-chose jusqu'au jour où je me suis rendu compte que la natation française gagnait de plus en plus de médailles. Et le fait qu'on me dise que j'ai porté le rôle principal là-dessus, je pense que je me rendrai compte plus tard quand j'aurai 40 ans. Nous, c'est moins médiatisé, mais moi, le contact avec les chevaux, ça me plaît. Et je n'échangerai ce métier-là pour rien au monde.